Bonjour et bienvenue dans votre émission à la rencontre d'eux, et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir Toufik Djellab, l'acteur principal à l'affiche du film La Marche, en salle depuis le 27 novembre, rencontre avec un acteur souriant, émouvant et qui risque de devenir très très grand. Suivez-moi. Cadeau. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Faut bien kipper pour ce qui t'a fait, j'ai compris. Mohamed! Bonjour Toufik Djellab. Bonjour Monir. Voilà. Donc, on est au Lutetia, on te reçoit ici, à l'occasion du film La Marche, réalisé par Nabil Ben Yedir. Et donc, ça retrace justement la fameuse Marche des Beurs de 1983. Et tu interprètes le rôle de Mohamed. Je voulais savoir en fait si tu t'es entretenu avec le véritable Mohamed afin de travailler ton rôle. Moi, pour préparer le rôle, j'ai été à Lyon, en Minguette, j'ai été le rencontrer. Et c'était un moment extraordinaire parce que j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait ni haine ni violence en lui 30 ans après. C'est un sage. Et j'étais assez triste parce que je ne connaissais pas le mouvement. Moi, la vérité, c'est que c'est en lisant le scénario que j'ai appris qu'il y avait une marche à cette époque-là. Le personnage, c'est... Il s'appelle Toumi Djeija. Oui. Alors j'ai toujours un problème avec le terme la marche des beurs parce que c'est un terme qui est employé par les médias à cette époque-là justement pour décrédibiliser un peu ce mouvement et un peu montrer du doigt et désacraliser un peu le mouvement. C'est vraiment la marche pour l'égalité contre le racisme. Alors c'est un peu plus long à dire, mais je trouve que c'est beaucoup plus fort et ça représente vraiment l'initiative de ces jeunes, dont ce Toumi Djeija. Après, tu me butes? Mais c'est pour toi, c'est pour te venger, Mohamed. D'accord, tu veux me venger? Tu vas buter tous les racistes de France? Bah, s'il faut, ouais. Bah, t'as du boulot. Comment expliques-tu que ce film a eu du mal à se monter? Pourtant, c'est un sujet très fort. C'est un sujet fort. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les gens, à cause justement de cette étiquette-là, les financiers se sont dit peut-être que c'est un film, ça va être un film communautaire. Et quand on a remis en relief le fait que c'était pas la marche des beurs, mais la marche pour l'égalité et contre le racisme, c'était une marche française, c'était des jeunes français, et ils ont commencé à se sentir un peu plus concernés. Et quand on leur a fait part, c'est plutôt les producteurs qui leur ont fait part de ça, et que c'était un grand film de cinéma, que c'était drôle, que c'était émouvant, et en même temps on racontait l'histoire de la France. Ils ont commencé à se détendre et puis le casting a fait que quand on a Jamel Debbouze, quand on a Charlotte Lebon, Olivier Gourmet, les portes, Lubna Azabal, Afsia Herzi, Vincent Rottier, Marek Belcouc, Nader Boussandel, qui est lui à l'origine aussi du projet, puisque c'est lui qui a présenté la scénariste au réalisateur, ouais, Nadia Lagdar. Donc tout ça mis en marche fait qu'à un moment donné, on se dit, bon, il y aura un film qui va se faire. On va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. Martin Luther King l'a fait. Gandhi l'a fait. C'est une marche contre le racisme et pour l'égalité. Bonjour. Tu viens pour la marche? Moi, mon fils, je le connais mieux que toi. C'est une feignasse, ça boit à rien. Je suis sûr qu'il est capable de le faire. Ah ouais? Tu es capable de faire ça, toi? Hop. Justement, toi, tu te retrouves propulsé. Pour moi, même si le héros, c'est la marche en elle-même, ouais, tu possèdes tout de même le rôle principal. Et comment on fait pour tenir la dragée haute face à des gens comme Olivier Gourmet, par exemple, qui a tourné dans les Messrines, qui a tourné dans des très très grands films. Et avec Abdelatif Kechi aussi, dans La Vénus Noire. Comment on fait? Est-ce que
Il vous met en confiance. Est-ce que tu peux nous raconter tes rapports entre lui et les autres grands acteurs qu'il y avait dans ce film? Je dis toujours que la qualité des plus grands, c'est leur simplicité. Et c'est des mecs très simples, qui se prennent pas la tête. Donc à partir du moment où on a en face de soi quelqu'un qui est très simple et qui se la raconte pas, bah, il te met très vite à l'aise. Et puis on est dans le travail. Moi je viens du théâtre, ce qui fait qu'on... Et la plupart des acteurs qui sont sur le film aussi viennent du théâtre. Donc il y a un esprit vraiment de travail, de troupe presque, où on travaille énormément en amont. Il y a eu des lectures qui ont été mises en place, il y a eu des répètes. Et je sais pas, c'est naturel. Il y a quelque chose de très naturel. Alors on est impressionné au début et très vite ils arrivent à désamorcer l'espèce d'admiration qu'on peut avoir pour eux. Et puis c'est pas productif d'être spectateur dans ces cas-là. Et ça s'est fait, je crois, naturellement. Nous allons traverser 55 villes. Bah, bienvenue ! Parcourir 1200 km. Ouais, je sais, on n'est pas très nombreux. Hein, je suis même tout seul. Tu marches, Farid ? Non. Farid, s'il te plaît. Moi, je suis là, il pleut, ils sont plus mes pieds. Bah, t'en as de la chance, parce que nous, on les sent, tes pieds, hein ? Je me déshabille comme ça, normal, devant tout le monde. Ouais, ça dérange quelqu'un, je me déshabille ici ou pas ? Non. Aucune loi n'obligera jamais un homme à m'aimer, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher. Qu'est-ce que... Je voulais avoir ton avis concernant, en fait, justement, ce curieux hasard de l'actualité qui fait écho avec votre film. On a entendu il n'y a pas longtemps les réflexions sur racistes, sur Christine Taubira, la parole du racisme qui est beaucoup plus décomplexée qu'auparavant, depuis 2007, si tu vois ce que je veux dire. Et pour toi, est-ce que 30 ans après la marche des beurs, celle-ci s'est avérée être au final un échec, ou tu penses que c'est juste un épiphénomène ce que l'on traverse en ce moment, ou est-ce que tu crois qu'elle a vraiment servi à quelque chose? Parce que vu l'ambiance actuelle, on a de quoi se poser des questions, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Moi j'ai l'impression que tu peux répondre toi-même à cette question. Ouais. Tu t'appelles Mounir, je m'appelle Toufik, tu me poses des questions, t'es journaliste. Je m'appelle Toufik, je suis comédien. Si on regarde les gens derrière, on peut voir la diversité qu'il y a, la jeunesse. Je pense que c'est un problème générationnel. C'est pas un problème générationnel, je crois que le racisme aujourd'hui, il est mis en avant par une certaine presse et par les médias. On n'a jamais été aussi en avance sur notre temps, et en même temps on est en retard sur plein d'autres choses. Mais il n'y a aucun pays dans le monde qui a résolu ces problèmes de discrimination, aucun. Barack Obama, c'est le premier président black aux États-Unis, et la situation des noirs aux États-Unis, elle est aussi compliquée. Il suffit de regarder les personnalités préférées des Français. Juste ça. Hein, on a Yannick Noah, Zinedine Zidane, Jean-Jacques Goldman, Jamel. C'est paradoxal. C'est paradoxal, mais c'est la France. C'est un pays plein de paradoxes. Et je crois que plus on accorde d'importance à ces choses, plus on leur déroule le tapis rouge. Je pense qu'il faut toujours aller de l'avant. Et le film démontre exactement ça. C'est pas un film qui va dénoncer le racisme. C'est un film dont les gens, en sortant de la salle, souvent, on leur donne une énergie, une patate. La dernière fois, il y a une femme qui est sortie, elle m'a dit « Ça me fait du bien, j'ai l'impression d'être meilleur. » Tu fais là, toi? Mais je vais marcher avec vous. On va marcher ensemble. On va tous marcher pour le racisme et contre tous les trucs que vous avez dit, là. C'est une marche propre. Et ben, je suis plus propre que toi, moi. Mais bien sûr. Dans la vie, il faut savoir pardonner. On est là pour marcher, on est là pour discuter, les mecs. Oh, égalité. Croire dans leur pays, c'est melon. Tu risques rien. Toi, ta tête, c'est un gilet pare-balles. C'est pas vrai, peut-être, avec tes trucs aspirines. Qu'est-ce que tu connais du racisme? Mais je connais mieux que toi, le racisme. Ça va trop loin, François, on n'y arrivera pas. Le cœur des gens s'est fermé. Comment tu es arrivé dans le cinéma? Parce que le grand public est en train de te connaître, en fait. Ouais. Pour être plus précis. Et pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, j'ai plusieurs questions. Il faut savoir, en fait, hein, je vous dis, téléspectateurs, que Toufik a commencé très très tôt dans un rôle hardcore qui s'appelait Killer Kid. Est-ce que tu confirmes? Je confirme. Tu peux me dire quel rôle de Killer Kid? J'aime bien quand tu dis hardcore. Ouais, c'est un enfant soldat. J'avais 10 ans. C'est vraiment le hasard qui a fait que
J'ai fait ce film, c'est mon oncle qui a entendu parler d'un casting, d'une amie qui faisait quelque chose comme ça, et j'y suis parti avec mon frère. Et simplement, pour préparer ce film, j'ai fait des cours de théâtre pendant un an chez quelqu'un qui s'appelle Pascal Luneau, qui avait monté un studio de théâtre qui s'appelle le studio Pygmalion. J'étais très fan de ce mec. C'était un coach personnel, un coach d'acteur. Il avait préparé Anne Pario pour Nikita, Jean Reno pour Léon. C'était vraiment quelqu'un de très très fort et de novateur dans voir le métier. Moi, j'y connaissais absolument rien. Et c'est ce mec-là qui m'a donné goût au jeu. Et ça a mis une graine en moi qui a germé et qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit que c'était en fait ça que j'avais envie de faire. Les couleurs ! Nous avons décidé de marcher. Est-ce que c'est le bon choix ? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura essayé. Je voulais que tu me donnes ta propre définition du cinéma. Pour toi, c'est quoi le cinéma ? On sort pas une définition de Wikipédia. La propre définition du cinéma ? Ma définition ? Ouais. C'est compliqué parce que le cinéma, c'est le seul endroit pour moi où on a encore le droit de rêver. Voilà. On rappelle que tu es dans la marche depuis le 27 novembre avec à tes côtés Olivier Gourmet, Jamel Debbouze, Lubna Azabal, Nader Poussandel. Exactement. Voilà. Et j'invite vraiment, vraiment le grand public à aller voir ce film car il mérite vraiment de faire un carton car. En plus d'être simplement un film, c'est un impératif catégorique citoyen pour moi. Voilà. T'es le meilleur ambassadeur. Bah écoute, je te remercie. Je te remercie beaucoup. Merci, Julien. Ouais, merci. Merci beaucoup.